C'est l'histoire d'un gamin qui n'est pas très à l'aise au milieu des humains, se tient pas droit sur sa chaise. Et pendant le repas, il ne pense qu'à s'amuser et mène d'âpres combats à grand renfort de purée. Dans ses yeux grands ouverts, on lit tant de malice. L'insouciance, la colère sont ses deux grandes complices. Lui rêverait de faire une révolution pour abolir la guerre et la haine pour de bon. Le monde qui l'entoure est rempli de mystères. Dans sa bulle de velours, il observe solitaire. Il ne comprend pas bien pourquoi l'argent est roi, car jamais souverain n'a fait autant de dégâts. L'existence est un jeu, une partie de plaisir. Pour lui, rien n'est plus précieux qu'un éclat de rire. Il se fond dans l'instant et se croit éternel. Il ose narguer le temps, ce gavroche rebelle. Se propage un vent de liberté. C'est un enfant sauvage qu'on ne peut éduquer. On lui explique en vain les choses de la vie, mais lui n'écoute rien que son cœur, c'est ainsi. Quand on le traite d'égoïste, il se met à bouder. Il faut dire que ça rend triste de sentir mal aimé, car un monde sans amour, c'est comme un puits sans fond. On trouve de l'eau toujours, mais elle a le goût de bouchon. Oh oh, badabada du du day, 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 du day. Le gamin dont je vous parle vit en chacun de nous, qu'on l'écoute, qu'on le blâme, qu'on lui torde le cou. Oui, mais qu'au grand jamais, on ne l'abandonne, ni qu'on éteigne ce volcan intérieur. Car c'est grâce à lui que la vie rayonne, résonne, s'étonne de tant de joie, de magie, de chaleur. Hey!